Monsieur, bonsoir. La bonne gouvernance est installée au cœur des politiques de développement que promeuvent les institutions financières internationales depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Elle s'est imposée après que la politique d'ouverture et de libéralisation des marchés eut débouché sur des crises financières dans les pays émergents. Et ne parlons pas des différents processus d'ajustement structurel des pays pauvres. Elle est devenue également un temps comme un mantra, brandi à tour de rôle par les gouvernants et les gouvernés. Un marqueur important de classification des pays avec les polémiques et débats y afférents. Alors, la bonne gouvernance, le lien entre bonne gouvernance et développement, est-ce un lien de cause à effet? La bonne gouvernance est-elle la panacée pour les pays en quête de développement comme les nôtres, notamment les plus pauvres, un diktat des pays riches ou un réel consensus? Comment évaluer la pertinence des critères d'évaluation retenus? Colle-t-elle toujours aux besoins spécifiques des pays pauvres ou à la pérennité de l'ordre mondial établi, l'économie de marché notamment, la bonne gouvernance, un instrument de gestion politique et géopolitique. Nous allons essayer de trouver réponse à ces quelques questions avec nos invités en plateau. Je vais commencer par ma droite, le docteur Hervé Gbenaou, socio-anthropologue et spécialiste des questions de développement. Bonsoir. Bonsoir. Professeur Augustin Aoga, anthropologue théologien, Oui. et sociologue Bien également, sûr, bien bien sûr. sûr. Ouais. Merci de nous avoir rejoints cet Bonsoir. après-midi. Ok. Et un visage qu'on ne présente plus, Joël Ataï Gadegbe, membre éminent de la société civile et expert en gouvernance. Bonsoir. Merci Bonsoir, de chers amis. marquer de votre Bonsoir, soutien. monsieur. Voilà. Alors, on va commencer comme il est accoutumé dans ce format où nous essayons d'expliquer un tant soit peu, de comprendre et d'expliquer un tant soit peu les grands concepts. Qu'entend-on concrètement par bonne gouvernance? Ok, merci infiniment, monsieur Noumon, c'est Oui, bien ça. voilà. Je crois, merci pour la confiance, merci pour la considération, parce que c'est grâce à vous que je suis sur ce plateau. Bonne gouvernance, c'est une bonne question. Mais avant de trouver que la gouvernance est bonne, il faut qu'il y ait d'abord gouvernance. Gouvernance, oui. On ne peut pas clarifier ce concept sans faire de l'histoire. Et vous l'avez déjà fait dans vos propos liminaires. Remontez un peu à l'origine du concept. Et pour remonter à l'origine du concept, il faut partir dans les années 80, fin années 80, 80, oui. avec la récession et la crise économique Économique mondiale, mondiale oui. qui nous a conduit vers les PASS, programme d'ajustement Ajustement structurel. structurel. Mais qu'est-ce qui a conduit aux PASS? Certaines institutions de Bretton Woods ont considéré que les pays africains avaient des gouvernements patrimoniaux, qui avaient un pouvoir patriarcal et donc paternaliste sur tout ce qui est politique publique, action de développement. Et que par conséquent, ils géraient très mal les affaires publiques. Et pour leur arracher ce monopole, il fallait passer du gouvernement à la gouvernance. D'accord? Donc, la gouvernance semble être à l'antipode du gouvernement parce que quand il y avait gouvernement, on avait deux pôles, le pôle du marché et le pôle du gouvernement, public et Et privé. privé, oui. Avec la gouvernance, on a introduit un troisième acteur qui est la société Société civile. civile, oui. D'accord? Et ce troisième acteur nous a permis au Bénin d'avoir les ONG, ce qu'on appelle aujourd'hui les organisations Organisation de la société société civile. civile. Mais on est passé de cette gouvernance à la bonne gouvernance parce que dans l'administration publique, on a constaté que les affaires étaient très mal Géré. gérées. Et donc, il y a eu un certain nombre d'indicateurs qui ont été inventés pour permettre à l'État de gérer. L'État n'a plus, avec la gouvernance, le Inventé monopole. ou conçu? Je reviens, Oui. je viens. Oui. Avec la gouvernance, l'État n'a plus le monopole de Monopole, la politique publique et de oui. l'action publique. Oui. D'accord? C'est désormais co-construit. Oui. Oui. D'accord? Mais dans la gestion courante quotidienne des affaires de l'État, il faut des indicateurs quand même qui montrent une certaine orthodoxie. Oui. Et donc, c'est grâce à ces indicateurs qu'on a parlé de bonne Bonne gouvernance. gouvernance. Oui. Mais la question qui est fondamentale, c'est une norme Oui. avec des indicateurs. Vous les avez évoqués, transparence, lutte contre la corruption, d'accord, libre fonctionnement Domaine du des marché. marchés, démocratie, Démocratie, état état de du droit, droit. Oui. plus un certain nombre de choses. D'accord? Mais avant qu'on en arrive à ces normes-là, il faut questionner l'élaboration, le processus qui a conduit à Oui. ces normes. Et quand vous questionnez ce processus, vous voyez les acteurs qui ont participé à ça, vous vous rendez compte que c'est extraverti. C'est un concept
qu'on caractérise de venu d'ailleurs, D'ailleurs, d'accord, oui. qui est frappé d'une certaine altérité par rapport à notre contexte à nous. Et donc, quand on retient ça, on peut dire la bonne gouvernance, c'est tout comportement, toute posture qui permet à un citoyen, à un poste de responsabilité, de gérer au mieux la chose qu'on lui a confiée. D'accord? Et d'en rendre compte. D'où la notion de redevabilité, d'où la notion de reddition Édition de des comptes, compte. oui. D'accord? Et concevoir la bonne gouvernance de cette manière vous amène à penser à ce qu'on appelle le bien public, à penser à ce qu'on appelle l'espace public. Et quand vous prenez la définition qui a mené les gens à dire on a des gouvernements patrimoniaux paternalistes, c'est qu'ils en sont arrivés à trouver qu'on avait une confusion entre ce qu'on appelle le bien public et le bien Bien privé. privé. Et cette confusion-là n'arrangeait pas du tout les affaires de l'État et ne pouvait pas nous permettre d'aller au développement. Et donc, il faut faire une distinction nette entre ce qui est bien public et ce qui est bien Bien privé. privé. Et c'est cette bonne gouvernance-là qui est censée nous amener à faire cette distinction pour permettre à tout le monde de jouir de ce qui est public. Public. Nous allons y revenir. Merci à Rapidement, Oga. hein. Oui. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'il a suffisamment déblayé le déblayé terrain, oui. sur le concept. Oui. Donc, moi, je n'irai plus du tout aux définitions de Sur du concept. Concept, oui. Pour permettre aux spectateurs d'entendre ce qu'on appelle normalement gouvernance, je dirais que c'est un modèle institutionnel particulier, conçu, élaboré ailleurs, et qui nous a été transmis. Oui. Et très souvent, on fait une confusion entre gouvernance et gestion. La gestion, c'est les activités, ce qui est prévu, est-ce que c'est atteint? Tandis que la gouvernance, au sens où nous l'employons aujourd'hui, c'est un concept élaboré à l'heure, dans un contexte de réalité, dans une histoire, qui ne cadre pas avec le contexte dans lequel nous l'utilisons aujourd'hui. Donc, il y a un décalage entre les concepteurs de ce concept, les élaborateurs de ce concept et les réalités dans lesquelles on doit l'appliquer et mesurer. Donc, peut-être avec le temps, vos autres questions vont revenir On va dessus. Je vais avoir laisser au professeur. Oui. Je suis obligé de repriser la question. On a l'impression que la société civile a la bonne gouvernance chevillée au corps. C'est une boussole. C'est une boussole indispensable. Oui, elle est indispensable pour légitimer peut-être l'intervention de la société civile civil, oui. dans les affaires publiques. Public. Et puisque le pouvoir ne se partage pas par définition. Mais par le mécanisme de la bonne gouvernance ou de la gouvernance tout simplement, et l'acteur dit société civile, le tiers acteur en tout cas de cet espace public et vient interroger les uns et les autres sur leurs pratiques. Je dirais d'ailleurs que je reconnais que c'est venu d'ailleurs, c'est pas de l'initiative des Africains ou encore moins de la société civile qui était compris, qui pouvait se comprendre en termes d'associations diverses, de syndicats et autres, si on veut la repérer à l'œuvre à tout moment dans la vie de notre pays. Mais c'est vrai que c'est lié à des préoccupations de gestion du bien public et par rapport aux dégâts du néo-patrimonialisme. Est-ce qu'il faut dire africain? Mais en tout cas, soyons-nous, parlons de nous-mêmes d'abord, parce que même les autres pays sous-développés ont eu ces problèmes, voire les pays développés connaissent et parfois ces tendances-là. Donc, c'est un modèle qui a été en partie emprunté au milieu financier et qui avait leur checklist pour voir si les objectifs de gestion étaient bien atteints. Et on en est venu dans la problématique de nos pays à faire de la gouvernance un mix qui associe autant de variables de bonne gestion et du bien public. Je ne reviendrai pas, enfin, après on pourra détailler, mais surtout a le mérite de quelque peu opérationnaliser les principes de démocratie. Tout à l'heure, on a rapidement parlé de redevabilité, mais souvent nous avons entendu la démocratie comme conquête du pouvoir et puis Exercice de pouvoir. Exercice plein et entier, sans partage. On entend même dire que c'est la dictature de de la la majorité. majorité. Bon. Donc, on a réduit la démocratie
à un usage qui a été réellement malveillant pour nos pays. En cas, sa compréhension, son opérationnalisation n'ont pas permis d'atteindre, non seulement de respecter les normes de gestion, mais encore moins d'atteindre les objectifs de développement. Et donc, ce mix-là apparaît comme un moyen de nous mettre devant nos responsabilités, de pouvoir nous donner les moyens, enfin, ça apparaît plutôt comme un moyen, pardon, d'évaluer et pas à pas les politiques publiques, les discours des uns et des autres à l'aune de ces indicateurs-là qu'on peut contester et que nous avons le devoir de questionner et d'adapter au mieux à notre réalité. Et moi, je continuerai de dire que je ne m'en tiendrai pas à la gouvernance ou à la bonne gouvernance, comme ce fut le cas à un moment donné, comme un slogan. On a même entendu, à partir de 1996, au retour du président Kérékou, où on a même vu signer des lettres officielles, « Bonne gouvernance m'obligerait ». C'est un peu trop réducteur. Donc, fait ou vu comme ça, et on est encore loin de l'affaire. Et donc, le débat se poursuivant, nous allons y aller étape par étape pour voir, enfin, pour essayer de répondre à l'ensemble des questions que vous avez posées. Voilà. Pour revenir à l'histoire, au lendemain des programmes d'ajustement structurel qui, avec le recul aujourd'hui, tout le monde en convient, ont échoué parce que ça n'a vraiment pas, n'a réellement pas servi à remettre les pays qui devaient s'en servir pour rebondir. Les objectifs n'ont pas été atteints. On a plutôt assisté à un transfert du patrimoine public vers le privé. 40 ans après, aujourd'hui, on appelle à un chemin retour avec un rôle un peu plus important de l'État. À quel moment cette l'immixtion de la bonne gouvernance a été vraiment quel a été le déclencheur? Est-ce que ça a été un constat froid de ce qu'on a implémenté n'a pas marché et maintenant on implémente? Est-ce que à ce moment-là il y a eu une envie de coproduction avec les pays pour qui ça a été conçu? Oui, en fait votre question est à deux volets. Il y a d'abord le volet opérationnalisation, d'une manière ou d'une autre, est-ce que ça a été opérationnalisé ou pas? Maintenant, deuxième volet, c'est l'élément effet produit. D'accord. Quand je prends le premier volet, l'opérationnalisation, Monsieur Ataï Guédégbé a posé la question tout à l'heure d'adaptabilité. La question se pose toujours aujourd'hui. Si on a pu s'approprier les indicateurs, d'abord même le concept, même bonne gouvernance, est-ce qu'on a pu s'approprier les indicateurs du concept pour pouvoir véritablement en faire notre outil d'action publique? La question reste posée. Est-ce que les indicateurs que contiennent la bonne gouvernance ont été véritablement appropriés et transformés en outils d'action publique? Je ne sais la pas. Question se pose. Je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas de l'administration publique. D'accord? Mais la question reste entière, elle reste posée. Et donc, tant qu'on ne va pas répondre objectivement à cette question-là, on ne peut pas arguer sur les effets. D'accord? Mais qui détient le curseur? En fait, c'est une véritable question qui se pose. Qui non, détient le curseur? En fait, quand vous prenez les programmes d'ajustement structurel, d'accord? On a parlé des programmes d'ajustement structurel tout à l'heure. Monsieur Ataï Guédégbé a dit que c'est venu avec les indicateurs de mesure. D'accord, ces programmes ont été accompagnés avec ces indicateurs de mesure. Ce qui est sûr, quand on prend la gouvernance tout court, on a aujourd'hui que les politiques publiques sont co-construites d'une manière ou d'une autre. D'accord, l'action publique est co-conduite d'une manière ou d'une autre. Ça ne pose pas un problème. D'accord, mais quand on prend la bonne gouvernance, les indicateurs ont été amenés avec les PASS. Les PASS ont plus ou moins échoué. Il y a trop de littérature qui témoigne de l'échec des PASS. Quand vous prenez les documents de stratégie de réduction de la pauvreté, c'est les mêmes d'un pays à un autre. Ça a échoué. D'accord? Et donc, on est censé, après l'échec de ces choses, de s'asseoir pour se dire, mais ce qu'on a aujourd'hui comme indicateur de bonne gouvernance, qu'est-ce que nous en faisons? Comment est-ce que nous nous l'approprions? Comment est-ce que nous l'opérationnalisons pour que ça rentre dans notre contexte local d'action? Je crois au Bénin, ça n'a pas été fait. D'accord? On est resté sur la même longueur, donc même après les échecs des PASS,
même après l'abandon des documents de politique de réduction, les documents de stratégie de réduction de la pauvreté, on n'a pas eu véritablement des fora dans lesquels on a re-questionné ces indicateurs-là. Je passe sous le couvert de M. Ataï Guédégbé parce qu'il est beaucoup plus impliqué dans ces instances-là que moi, mais je crois qu'on n'a pas re-questionné ces indicateurs pour mieux les approprier, mieux les opérationnaliser et mieux les mettre en application dans notre contexte. En parlant d'appropriation, l'anthropologue nous dira... je pense que quand on parle d'appropriation, il faut d'abord comprendre le phénomène. Comment c'est élaboré? Quels sont les éléments déterminants? Quand vous ne connaissez pas comment vous allez l'approprier, c'est impossible. Donc, pour moi, il faut questionner la bonne gouvernance d'abord en Europe. Qu'est-ce que ça signifie? Tant qu'on n'a pas cette compréhension, mais on ne peut pas prendre un objet qu'on ne connaît pas. Ils ont élaboré. Ça parle de quoi? Même quand nous en parlons, on nous donne ça là. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on parle de bonne gouvernance chez eux, au fait, ça donne au moins... trois familles de choses. Les fonctions de données de base, normalement, de coordination et d'anticipation. Si on veut parler vraiment de ces éléments, on doit dire, mais les choses sont coordonnées de quelle manière? Et quelles sont les capacités d'anticipation? Quand il n'y a pas ça, on ne peut pas parler vraiment de bonne gouvernance. Si nous prenons ces deux, c'est le premier élément, quand on veut déterminer, quel est le mécanisme de coordination? Des facteurs de production, des facteurs de distribution. Et quelle est normalement la confiance que les acteurs ont de ce système qui leur permet de produire. Tant qu'on ne répond pas à ce premier élément, on peut parler même de la bonne gouvernance. Le deuxième élément et qui a trait à ça, c'est surtout le système de régulation sociale. La régulation sociale. Là-bas, les bonnes gouvernances, c'est qu'il y a ouverture du système de régulation. Et ce système de régulation, comment fonctionne-t-elle? C'est la formalisation des règles. Mais comment les règles sont-elles formulées? Chez nous, c'est là-bas, il y a un système. Ils ont toute une histoire pour arriver à la formalisation. Nous, on n'a pas du tout d'abord compris comment il faut déterminer nos règles. Nos règles ont été élaborées ailleurs. Les lois, tout c'est ailleurs. Et c'est de ça là qu'on nous dit, mais prenez comme un outil. On ne peut pas l'approprier. Parce qu'on ne connaît pas les données de base, le fonctionnement. Et par rapport à ça, on va mesurer quoi? C'est pourquoi il dit que c'est un peu de l'autre lorsqu'on nous donne un objet que nous ne maîtrisons pas, nous ne comprenons pas. On vous dira pour autant que chaque année, nous avons plein de résultats, plein de mesures de l'évolution, de la bonne gouvernance dans tel pays. Les institutions en font à profusion, c'est devenu un marqueur important. Donc, on s'en félicite par ailleurs. Récemment, on a eu des félicitations dans ce sens pour une amélioration de la bonne gouvernance. C'est la pensée qui est derrière. C'est tout un système. Le système existe et ça fait partie d'un élément du système. C'est-à-dire, lorsqu'on dit on a planifié pour vous, vous êtes un peuple. Et puis nous décidons de votre développement. Et on vous donne ce que vous devez faire. Mais est-ce que la réalité, c'est votre développement? Donc, tout le système qu'on a bâti, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Donc, tout ce qu'on va vous donner comme mesure, c'est ce qu'on voulait que vous compreniez, que vous taisiez sur la réalité qui vous concerne réellement. Donc, le système, c'est, quand vous avez dit c'est un dictat, j'ai dit non, c'est une politique planifiée depuis la colonisation. Et jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas sortis de ce système dont nous vivons dépendamment des autres. J'ai envie d'insister avant de donner la parole à M. Ataï Guédégbé. Pour le dire prosaïquement, sommes-nous naïfs? Voilà, c'est la question qui se pose inévitablement. Je ne dirais pas. Je pense que c'est une planification où nous n'avons pas été conscients. On nous a programmés depuis l'école à penser, à réfléchir Occident, à rêver Occident, mais jamais Africain, par rapport à nos réalités. Et c'est pour ça que j'ai amené ce livre qu'Izebo a dit à quand l'Afrique. C'est le grand historien. Et c'est son dernier livre.
C'est-à-dire, avant de mourir, il n'a pas vu l'Afrique venir. Mais ce n'est pas géographique. La géographie africaine est là. Mais les hommes qui font. Et il a dit une phrase importante. Et par rapport à tout ce que nous disons, il dit, on ne développe pas. Ça, c'est la pensée de Gisèle. On se développe. Et c'est pourquoi je pose la question. Est-ce que nous sommes l'élément, nous sommes développés pour développer et prendre les mesures de nos développements. Voilà. Monsieur Ataïk Adegbe, parfois, on se demande si on égrène à souhait les critères de bonne gouvernance, transparence de l'action publique, contrôle de la corruption, libre fonctionnement des marchés, démocratie, état de droit. Je vais être un peu taquin. Est-ce que l'élément le plus important là, et qu'on oublie parfois de citer, parce qu'on aime dans nos pays, pas seulement au Bénin, se battre autour de ces questions, lutte contre la corruption. Est-ce que l'élément le plus important dans cette énumération, c'est pas plutôt le libre fonctionnement des marchés? Et que ça cache énormément de choses, ça appelle à énormément de choses, mais parce que quand on en voit en parler régulièrement, bon, ça semble être une énumération comme une autre, on préfère se focaliser transparence de l'action publique, contrôle de la corruption. Est-ce que réellement, en parlant d'appropriation, en parlant de compréhension de toutes ces choses, est-ce que ce n'est pas le pan le plus important? Bien sûr que c'est ce qui est derrière, c'est ce que sous-entendait l'interrogation du professeur Oga. Et il y a une idéologie, on ne va pas se raconter des histoires. Et c'est le libéralisme, c'est bien ça. Et c'est pas présenté comme tel. Même quand vous énumérez les communes de marché comme critères, oui. Généralement, ça ne vient pas explicitement. Non, c'est décortiqué, c'est vraiment... C'est implicite, c'est cousu de fil blanc. Oui, enfin bon, en tout cas, l'affaire est complètement dépiécée. Et puis, on assemble un certain nombre d'éléments dont on se dit qu'avec ça, vous pourriez être de bons élèves, enfin des élèves acceptables dans la classe. Nous devons convenir que, au plan économique, l'Afrique est dans une intégration subalterne au marché. Et quand on dit subalterne, ça veut dire que vous n'avez pas conçu, vous êtes exécutant, vous subissez. Mais je ne voudrais pas le dire seulement comme ça, parce que certains pays ont pu subvertir les plans d'ajustement structurel, ont pu anticiper. Vous aviez parlé de la capacité d'anticipation. Paix à son âme, le président Jerry Rawlings, au-delà du coup d'État, de la volonté de rébellion, enfin de contre le mal développement de son pays, contre le développement ou l'étendue de la corruption, bon, s'est mis au travail et a essayé de redresser le pays avec les uns et les autres. Et à attraper, chemin faisant, les questions que posait l'ajustement structurel avant même qu'on ne vienne le leur imposer. Et vous voyez, c'est un des rares pays qui ait fait cet effort, qui a eu cette capacité de relative anticipation. Mais sinon, nous subissons. N'avons pas un moment pour respirer vraiment, parce que les choses sont planifiées de très haut, de très loin. Et ça va au-delà du partage du découpage de Berlin. Et beaucoup de choses se sont déjà décidées et pour nous, sans nous. Quelles sont nos marges là-dedans? Et face au néopatrimonialisme qui érodait tout et entretenait la ruine sociale et fatalement la guerre, les conflits autour des besoins, les conflits naissent de besoins non satisfaits et autres. Bon, donc, et face à ça, et le système de bonne gouvernance vient avec l'idée de démocratie, les injonctions de la BOL, pour ne parler que des pays francophones, même si le Bénin a eu sa dynamique propre, avec des luttes internes qui ont amené à la conférence nationale à la démocratisation avant le discours de la BOL. Toujours est-il qu'il y avait une dynamique et qui a été caractérisée au plan idéologique par l'échec du communisme, de la planification d'État et le triomphe et massif du marché, de l'économie de marché, avec tout ce qui allait avec. Donc c'était à prendre ou à laisser. Vous êtes en ajustement structurel, vous voulez emprunter, on vous dit ben c'est comme si, mais voici les règles, voilà, vous allez devoir en passer par là. Évidemment, nos gouvernants qui ont souvent le dos au mur ont vite fait de dire oui, sans en être convaincus, sans avoir même cherché à comprendre d'où ça vient et quelles en sont les implications. Et au détour de leur remus
colonisation, bon, cette histoire de société civile, ça a été amené par les Blancs, vous voyez. Donc, nous sommes là, au cœur de l'action, pour ne pas dire du débat, mais il faut faire le débat. Il faut faire le débat pour savoir quelle est la soutenabilité de ces instruments que nous avons adoptés, y compris de la démocratie. Et comment la comprenons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons encore y apporter? Et on voit malheureusement depuis, je prends les années 90, où pratiquement tout le monde est rentré dans la danse, on voit comment chacun a développé sa compréhension de la chose et a fini par subvertir, finalement, et ce qui, d'un côté, apparaissait comme un espoir de meilleure gestion et de l'autre côté, un espoir de respiration pour les populations, pour les peuples qui n'ont pas été à si bonne école. Et donc, on prend ce qu'on peut, on a essayé de prendre la démocratie et ça ne se suffisait pas. Vous êtes journaliste, vous êtes encore très bien placé pour savoir qu'un des critères fondamentaux de la gouvernance, c'est l'ouverture à l'information. Mais où est-ce qu'elle est? Comment la pratiquons-nous? Et s'il n'y a pas ouverture à l'information, même au niveau de l'élaboration des politiques publiques, il y a déjà un problème en amont, avant de parler de son évaluation, de la redevabilité. Comment est-ce qu'on rend compte dans nos pays? Arrêtons le folklore. On n'y est pas. Mais il y a de l'urgence, il y a les problèmes de corruption qui sont là, et souvent, il faut le reconnaître, les indicateurs de bonne gouvernance aident quelque peu à tacler la chose, à montrer là où ça ne va pas, et à demander qu'on fasse des efforts, au moins et en termes de... De correction. Oui, pas de correction, mais de système, à coût. On n'a pas la prétention de tout régler, et en même temps. Mais donc, on sectorise. Et on va même parler de gouvernance environnementale. Je ne sache pas qu'on parle de gouvernance religieuse, mais bon, donc, dans tous les domaines, on a essayé d'imaginer. La question s'est posée au niveau des églises, dans la manière de gérer, dans les rapports démocratiques entre le clergé et les laïcs, ainsi de suite. Vous voyez, donc, c'est des outils que nous pouvons subvertir, enfin récupérer à notre compte et voir modestement à quel niveau nous les maîtrisons et les systématisons. J'ai envie de dire qu'on est dans une forme de, parce que ce qui peut transparaître de ces quelques minutes d'échange, il y a quand même une forme d'impuissance qu'on ne peut pas cacher, qui se dégage un peu, on constate. Pour le moment, vous avez évoqué tout à l'heure des questionnements qui subsistent. Mais c'est un instrument, ça fait déjà pratiquement 40 ans, 80, on est en 2020. Il y a une forme, on ne peut pas ne pas l'évoquer, il y a une forme d'impuissance, d'où ça vient. C'est-à-dire qu'on est en face, c'est un peu comme si, pour être schématique, on est en face d'un bloc, et bon, on a du mal à se mouvoir, on attend qu'un miracle se produise, ou qu'est-ce que vous en pensez? Non, est-ce que c'est une impuissance? Est-ce que c'est une impuissance? Je ne crois pas que ce soit une impuissance. Ou un déni. Non, encore moins. Encore moins. Parce que si vous avez bien écouté le professeur Arroga, et je l'avais dit rapidement avant qu'il ne revienne dessus, quand vous avez une norme, il faut questionner le processus qui a conduit à la norme. Mais pourquoi nous le faisons-nous pas? Le processus qui a conduit à la norme. D'accord? Les acteurs qui ont participé, l'élaboration même de la norme, l'entrée en vigueur de la norme, quelles ont été les conditions dans lesquelles ça a été, en tout cas, mis en place pour que la norme rentre en vigueur. D'accord? Et quand vous questionnez un certain nombre d'auteurs, on va vous parler de trois processus de régulation sociale. Il en a parlé. Il y a la régulation de contrôle, où vous êtes absent en tant que population, en tant qu'exécutant, vous êtes complètement absent. C'est l'État ou le supra-État qui élabore la norme et qui vous l'impose, vous appliquez, point bas. On est dans ça. D'accord? On est dans ça. Il y a la régulation qu'on appelle la régulation autonome, où c'est vous-même en tant qu'État, en tant qu'institution, vous prenez la décision face à un certain nombre de problèmes, de vous doter d'une norme et de vivre avec cette norme en l'ajustant à votre contexte, à vos capacités, à vos caractéristiques intrinsèques. On n'en est pas là quand on parle de bonne gouvernance. La troisième forme de régulation, c'est la régulation conjointe. D'accord? Où société civile,
État et un certain nombre d'autres acteurs s'asseyent pour dire, écoutez, on a envie de repenser notre système, par exemple, de gestion des biens publics. Quelles sont les normes que nous pouvons édicter en fonction de nos réalités pour que nous nous retrouvions tous dans ces normes-là? On n'en est pas là. D'accord? Et donc, quand vous parlez d'impuissance, je dis non. Il y a un aîné, père à son âme, qui a coutume de me dire, mais la situation dans laquelle tu es, qu'est-ce que tu en fais? Ok? On nous a imposé la norme. D'accord? Nous l'appliquons. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette norme-là pour que ça devienne notre? S'il y a des choses dans cette norme qui ne nous conviennent pas, comment est-ce que nous faisons pour les évacuer, pour ne retenir que ce qui fait vraiment adéquation avec nos réalités? Vous pensez que dans les sociétés africaines, il n'y a aucun système de régulation? Vous vous rappelez quand on était jeune, la manière dont le vol était régulé? Nous parlons de biens publics, là. Nous parlons d'espace public. Monsieur Ataïa-Guedegbe a posé tout à l'heure la question de la libération de la parole. Quand vous êtes dans l'espace public, il y a fondamentalement une tension entre le pouvoir de domination et le pouvoir qu'on peut appeler le pouvoir d'agir, où vous avez la capacité de libérer votre parole. C'est une confrontation entre domination et argumentation, l'espace public. D'accord? Et tant que on n'est pas dans un système où vous avez la possibilité de vous exprimer, d'accord, vous ne pouvez pas impacter ce qu'on appelle indicateur non adapté. Il faut qu'on vous donne la possibilité de vous exprimer pour impacter ça. Si vous n'avez pas la possibilité d'opiner sur la chose, comment vous voulez l'impacter? Si vous n'êtes qu'un exécutant, d'accord, comment vous voulez l'impacter? Vous ne pouvez pas l'impacter. Et nous avons dit tout à l'heure, en filigrane de tout ça, il y a des objectifs inavoués. Bon, c'est pas des objectifs que nous choisissons peut-être de ne pas voir. De ne pas voir. Oui. Mais c'est pas qu'à un niveau donné, non, on ne connaît pas. Est-ce que nous sommes capables de voir? Non, on peut. On peut voir. Parce que libre fonctionnement des marchés, je suis certain qu'il y a énormément d'universitaires qui pourront vous décrypter ça. Mais est-ce que décrypter, c'est ça la capacité de dire, mais j'ai compris et puis je peux concevoir moi-même à partir de ce que je vois? La capacité de concevoir partie de ça. En fait, on ne peut pas ne pas, on ne peut pas, disons que, est-ce qu'on n'est pas dans une, en disant objectif inavoué, est-ce qu'on n'est pas dans une, dans un, je comprends bien là où vous voulez en venir, mais dans le même temps, est-ce que c'est pas nous déresponsabiliser quelque peu? Parce que c'est l'effort pour comprendre ces objectifs-là sont quand même à notre portée, au minimum. Nous avons un problème, et je parle sous le couvert des autres qui sont sur du professeur Aroga et de M. Ataïa-Guedegbe. Nous avons un problème qui est que nous consommons suffisamment et nous ne questionnons pas. Je ne veux pas défier les universitaires. Vous m'excusez, je suis universitaire, je ne suis pas encore plein dedans. Je suis en voie. Mais pourquoi vous dites ça? Ça aussi, c'est un programme. Pourquoi vous dites que vous n'êtes pas universitaire, d'être docteur, vous dites que vous n'êtes pas docteur. Parce qu'il y a un système dans lequel il n'est pas placé. Oui. Et tant qu'il n'est pas placé dedans, c'est pourquoi je veux parler du système. On peut dire aussi culturellement, c'est le respect de les aînés, c'est le respect de la caste établie. Quand vous prenez les laboratoires de recherche de l'université, qui sont censés questionner ces choses, d'accord, pour aider le décideur politique à prendre des décisions éclairées, la plupart de ces laboratoires attendent des financements de l'extérieur. D'accord, l'État béninois, à quelle hauteur finance-t-il les laboratoires universitaires? Ok, parce que vous avez un programme de recherche. Je suis là, par exemple, j'ai discuté de quelque chose avec le professeur Aroga tout à l'heure. D'accord? On a une idée de recherche. On ne va pas sortir l'argent de notre poche pour aller faire la recherche. D'accord? Et quand les institutions extérieures vous financent, derrière, il y a des orientations. Absolument. Un cadrage. Ces cadrages et ces orientations ne vous permettent pas. Et redevabilité, vous devez leur rendre compte. Ne vous permettent pas justement de questionner à l'aune de vos réalités socio-anthropologiques les éléments dont nous parlons. D'accord? Mais le politique qui est dans le feu de l'action et qui parle, qui manie tous les jours la bonne gouvernance et les indicateurs, vous pensez qu'il a le temps
de re-questionner ces choses-là. Il n'y a pas le recul nécessaire. Et c'est pas son rôle. L'université, c'est le rôle de l'université de nous fournir, de lui dire, il y a ceci, et lui dire, bon, si c'est ça, je viens. Comment est-ce que la recherche impacte la décision publique? On vous dira peut-être... Je vous écoute, monsieur le mot. La deuxième fois que je vais lui dire, pour être un peu taquin, on dira que, bon, il y a beaucoup d'universités aussi qui ont abandonné les labos pour la vie publique, la vie politique. Il y a aussi ça, ce phénomène de migration. Même s'ils n'avaient pas abandonné, il y a l'orientation qui est donnée à la recherche, simplement, et sur laquelle le gouvernement ne pèse pas. Vous avez posé une question, et j'ai utilisé, permettez-moi, une image biblique. Quand je parle de développement et de ceci, c'est l'histoire que vous connaissez, David et Goliath. C'est une histoire biblique qui dit que les Philistins ont attaqué les Israélites. Goliath, c'est un homme trapu, grand. On dit que même son javelot pesait 60 kilos. Alors, ils sont en rang de bataille. Les Philistins de l'autre côté et les Israélites. Et Goliath sort. Il est baraque, 2 mètres quelque. Il dit, désirez quelqu'un, qu'il sorte et puis, s'il me bat, nous on vous rend. On se rend. Si je le bats, toute l'armée d'Israël était paralysée. La peur. Personne n'ose affronter. Je dis, c'est l'image de l'Africain. On a peur. Système économique, politique, on a tous peur. Mais comment ils sont arrivés? Alors, on a dit qu'il y avait un jeune David Goliath. Il n'est pas dans... Il est un berger. Et son papa l'a envoyé donner de la nourriture à ses frères qui sont des soldats. Il arrive, voit que Barak terrorise tout le monde. Il dit au roi, mais moi je vais. Le roi même est là. Ils sont tous armés. Le roi dit, pour aller le combattre, prends ma tenue. On lui a fait porter la tenue du roi, casque. Un jeune David, il rentre dedans, il ne peut même pas se déplacer. Il dit, mais comment il va faire? Non. Il dit, non, roi, je dépose ça. Il, dans la brousse, il était habitué à chasser les lions derrière les moutons. Il prend sa fronde. Et c'est sa fronde, avec sa fronde qu'il va utiliser à distance. Comme il est tellement adroit, parce qu'il faisait ça avec les lions, il a lancé ça et puis ça a touché l'homme au front. Et puis, il est tombé. On peut dire que c'est des légendes. Mais ce que je voulais dire, je dis au chat, ce que je dis, c'est que quand on lui a dit, porte l'habit du roi, j'appelle ça le prêt-à-porter. Dans lequel nous fonctionnons tous, l'Afrique, dans tous les domaines, politique, économique, tout, des prêt-à-porter. Dans le prêt-à-penser. Oui. Et on ne peut pas affronter. Quand nous sommes devant, nous trouvons sans force, sans moyen d'aborder. Et ce que David a fait, c'est l'expérience qu'il avait. Il a parlé tout à l'heure des réalités africaines. Nous ne regardons pas à ce que nous avons dans notre tradition. Pour essayer, à partir de là, faire le dialogue, concevoir, franchir l'eau, ce qui est bon, et maintenant concevoir le pays émergent. Ils ont eu la même chose, mais ils ont refusé d'aller dans le même processus. Donc c'est la force d'interroger. Ça veut dire les prêts-à-porter, tant qu'on n'est pas prêt à dire, on dépose les prêts-à-porter, nous aurons toujours des Goliaths devant nous. La peur. Et on est inné. Face à ça, on dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, il faut repartir, voir nos réalités africaines. Prendre chez eux. Vous vous rappelez mon dialogue. Ouais. C'est pourquoi il dit que le dialogue est un bien commun dont nous ne mesurons pas la portée. J'ai des réalités. Je vois chez l'autre ce que je peux prendre pour concevoir partir de la réalité. Tant qu'on ne viendra pas à nos réalités pour prendre chez les autres et concevoir nous-mêmes le laboratoire, on ne pourra pas s'en sortir. Celui qui vous donne, il vous commande. On a dit l'aide est un facteur de sous-développement. On a pris ça en économie. Mais c'est toujours là, tout le monde sait ça. Mais on l'a pris. On ne change pas, on ne peut pas questionner. Sur la même question Non, bon, disons que l'interpellation est là parce que nous sommes en pleine saversion. Et ça, il faut pouvoir l'admettre humblement d'abord. Et se dire que souvent nous précipitons sur le tout venant. Et au lieu de prendre notre temps de discuter. Et de reconnaître les vertus de la différence, de l'échange qui pourrait nous enrichir, nous attirer notre attention sur peut-être les errements qui nous attendent. Et quand je prends les problèmes écologiques, par exemple, et on se surprend à découvrir que, quelque part, notre manière d'avoir des forêts dites sacrées était de l'écologie avant l'heure. Et pourquoi méprisons-nous complètement
ce système endogène que nous avons pour attendre des financements, pour faire ci, pour faire ça. Pendant ce temps, de toute façon, nos espaces meurent et autres, alors que nous avions eu des moyens efficaces. Ouais. Nous sommes encore là en termes de mesures, on peut mesurer, et de protection de la nature. Bien sûr, on passait par d'autres canaux, on utilisait des valeurs et qui faisaient sens pour les gens. Mais est-ce qu'on est sûr, quand on parle de couches d'ozone et autres, là, que ça fait sens pour le Béninois lambda aujourd'hui, qui a besoin de vaporisateurs, de ci, de ça, et qui ne comprend pas et tout ce qu'on lui raconte là, ça c'est débité dans tous les sens. Enfin, il y a le flot des médias, enfin, de tout ce qui est déversé là, et qui ne nous permet même pas de réfléchir, de nous recentrer, hein, d'interroger nos pratiques. Sur la répression de la corruption, bon, certains ont pensé qu'on pouvait faire jurer sur la terre sacrée. Bon, enfin, il y a des moyens de tenir les gens, de discipliner. Parce que parlant des pays émergents, une ressource que nous pourrions leur emprunter, c'est la discipline. La discipline. La discipline librement consentie, enfin, qu'on a intériorisée, qu'on a comprise, sans avoir besoin du gendarme à côté. Et comment est-ce que nous pouvons réinventer ça? Et c'est fondamental pour la performance dans presque tous les domaines. Et en parlant, c'est à juste titre que vous évoquez les pays asiatiques. Si on prend l'exemple de la Chine, de façon concrète, est-ce que vous pensez qu'on serait prêt pour moins de démocratie, moins de liberté, pour plus de espace? C'est un modèle, on peut penser ce qu'on veut de ce modèle, mais c'est un modèle qui on va dire, émerge du cœur du peuple chinois. Mais après, nous avons des contingences qui font que on vous parlera d'état de droit, de démocratie, de liberté. D'ailleurs, on est très friand, parce que c'est quand même assez paradoxal, parce que dans notre pays, dans nos contrées, on est plus friand, presque, hein, peut-être que c'est une image, on est plus friand des débats autour des libertés, de la corruption, que des débats touchant l'eau potable, tout simple. Je disais sur ce même plateau, sur un plateau qu'il y a longtemps, je n'ai pratiquement jamais vu de marche, par exemple, dans notre pays ou ailleurs, pour l'eau, par exemple, pour le pain, alors qu'on est prêt à tout casser dans nos villes pour la liberté. Le blé qui vient de 6000 km de chez nous, là. Et non, que... Oui, la corruption. Le blé qui va venir de manioc. De manioc. On commence à se poser la bonne question. Le modèle. D'où peut venir, j'ai envie de vous demander, d'où peut venir la révolte? Parce que là, on fait des constats, d'où peut venir l'impulsion? Les saintes colères. Justement, les saintes colères. Moi, j'ai envie de dire, suite à ce que le professeur Aroga a dit tout à l'heure, c'est quoi le développement? Exact. Ça, c'est tout un programme. Oui. C'est quoi le développement? Est-ce qu'il y a un prototype qu'on appelle développement? Moi, j'ai toujours clamé haut et fort que toutes les nations du monde sont dans un processus de développement, sont en voie de développement. Il n'y en a pas encore qui soient développés, d'autres qui soient en voie. Ça, c'est. Il faut qu'on s'entende sur ces béabas d'abord. Oui. Je défie quiconque me dira aujourd'hui à l'étape où le monde se trouve, voilà ce qu'on appelle le développement. Ça n'existe pas. Vous rentrez dans le cœur de la France, vous allez trouver des poches de pauvreté incomparables. C'est pas possible. Dans tous les pays qu'on appelle pays développés, vous avez des poches de pauvreté. Dans nos États africains, vous avez également des poches de richesse insolentes et vous avez également des poches de pauvreté. D'accord? Donc ça, c'est déjà fondamental. Vous prenez la période des passes. Quand on nous a imposé cette histoire de bonne gouvernance, monsieur Ataï Gedegbe l'a dit tout à l'heure, on a dit aux États africains de ne pas investir dans le social, ni l'éducation, ni la santé, rien du tout. Vous devez aller vers tout ce qui est économique, parce que là, c'est des secteurs budgétivores. C'est quoi le développement? Je repose la question. Vous m'excusez, je pose la question. C'est quoi le développement? On vous entend. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que nous entendons nous-mêmes ça? Est-ce que nous internalisons ça? Est-ce que nous essayons de décortiquer tout ça pour agir avec? Pour savoir qu'on est en train d'aller à l'opposé de là où on doit. On prend le sens contraire, en fait, de ce qu'on, de là où on doit aller. Quoi. Tant qu'on ne va pas se maintenir un instant pour dire, mais d'où je viens? Où suis-je? Où est-ce que je veux aller? Vous avez posé la question tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai fait ce débriefing-là. D'accord?
On valorise beaucoup plus ce qui est liberté de parole que ce qui est besoin fondamental. D'accord. Qui est-ce que ces besoins-là concernent? Ça concerne la grande masse. Tant que c'est bon pour moi, les autres, ça ne me regarde pas. Je crie, je casse, parce que derrière moi, il y a quelqu'un qui aspire au pouvoir. Quand il ira au pouvoir, il va amasser sa part. Peut-être jeter quelques miettes à ceux qui ont cassé. Pour que j'ai un retour sur investissement. Voilà. D'accord. Mais au-delà de ça, qui se préoccupe du paysan de Malanville? Qui se préoccupe du paysan de Dija? Qui se pose la question tous les jours de savoir comment je fais pour que ma rentabilité augmente? D'accord. La dame de Kobli qui cherche sur des kilomètres de l'eau potable, qui s'en préoccupe? À la limite, personne. Je dis à la limite personne. Nous avons les politiques publiques, nous avons les actions publiques. Nous savons comment c'est élaboré, nous savons comment c'est financé. Mais la question reste là, qui est que, comment est-ce que nous concevons d'abord, quel contenu nous donnons d'abord au développement, et quels sont les mécanismes et les instruments que nous nous donnons pour aller au développement. Je ne voudrais pas vous arrêter, mais pour ne pas perdre le fil, il faudrait que je vous pose la question. Est-ce que ça s'entend? Est-ce que ça s'entend que la grande masse de nos populations, c'est-à-dire, il a donné l'exemple du paysan de Didia, que dans sa chaîne de valeur, la liberté d'expression ne vient pas forcément en tête de ses priorités. La lutte contre la corruption... C'est pas à nous de décider pour eux. Non, je pose la question. Je dis, est-ce que ça s'entend? Je pose la question. Je sais pas, péremptoire. Donc, il va sans dire que c'est un discours réservé à une coterie, enfin, de gens qui savent comment s'en servir, retourner ça dans tous les sens. Et au-delà, il est évident que les gens ont d'autres préoccupations, plus terre à terre, sauf si vous les élevez à la dignité de citoyens. En leur donnant l'accès à la compréhension de ces outils, de ces rouages-là. Maintenant qu'on ne le fait pas, donc on est acteur, on est complice de leur misère, de leur sous-développement. C'est ce que disait mon protagoniste. Donc la question éthique se pose en ce moment de savoir quelle est la place que je fais à l'autre, comment je fais de l'autre moi-même. Et si je ne peux pas, si je ne veux pas aborder la question en ces termes, il y a tromperie sur la marchandise. Nous racontons des histoires. Merci. Oui, non, je suis heureux de la manière dont il a abordé, parce que je crois qu'on est programmé. Est-ce que vous êtes conscient quand même? Je pense qu'aujourd'hui, non, moi, mon avis est pas que, moi, je pose des questions. J'essaie de nous amener vers. Mais je pense que. Le programme marche. C'est comme l'ordinateur, on a programmé, puis on a tapé, puis ça marche. Dans tous les domaines. C'est comme ça. Sinon, quand vous prenez le Bénin, c'est 20% les intellectuels. Les 80%. L'intellectuel, c'est trop dur. Oui, bon, qui ont mis pied à l'école. Le diplômé, ceux qui peuvent parler le français. Mais qui sont ceux qui produisent, au fait, pour que la vie existe, c'est le problème. Et qui exploite ceux qui produisent? C'est nous. C'est le programme, l'Europe. On a été à l'école. Ils nous exploitent en tant qu'Africains. Et nous, qui sommes des Africains intellectuels, nous exploitons ceux qui n'ont pas été à l'école. Le programme marche. Dans tous les sens. Vous voulez ramener à la lutte des classes de... Non, c'est pas la lutte des classes du tout. Non, c'est un peu comme si nous voulons parler de développement. C'est une division du travail. Parlé du développement. Même le fait de penser que nous devons être comme eux est un programme. C'est ce que je voulais dire. Ceux qui ont fait l'économie, Rostov a parlé des étapes de développement. Et tout le monde se met dessus, sauf les pays émergents qui ont refusé. Donc, j'ai dit la solution, c'est le courage de dire on doit forger nous-mêmes. Mais sur quoi allons-nous forger cette réalité? On peut mettre un bémol sur les pays asiatiques parce qu'ils ont refusé à un moment donné de leur développement, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Chine n'est pas en plein dans la société de consommation, n'est pas le leader de la société de consommation. Même dans le tréfonds de la Chine, tout le monde veut avoir ce que... Ils n'ont pas renoncé à être eux-mêmes. Oui. C'est relatif. Il y a toujours le printemps chinois, il y a toujours les dragons, il y a toujours leur culture, il y a toujours la pensée de Confucius, il y a plein d'autres références qui font qu'ils sont équilibrés. Qui sont challengés quand même de plus en plus par la société. C'est la vie qui est comme ça. Dans l'histoire, c'est qu'ils ont pris à un moment donné une résolution, dit nous ne voulons pas aller dans le sens
tracé pour nous. Et en s'arrêtant, le fond, nous, on a étudié en économie. Le Japon, à un moment donné, a parlé de la génération sacrifiée. Où les intellectuels ont décidé de dire, je ne prends pas la somme qui me revient et je vais pour construire. C'est une décision. Donc, on a arrêté. Mais la Chine, on a dit la même chose. Donc, on les a critiqués. Ils ont fermé les écoles, l'université, pour dire, allez tous travailler d'abord. Pourtant, on a dit, c'est l'école, ils ont été colonisés. Je sais qu'on ne pourra pas faire cela. Mais c'est de dire qu'à ce moment donné, ils se sont arrêtés. Nous, on peut puiser dans ce qu'ils ont fait. Mais il faut que ça soit une décision des intellectuels. Parce que c'est les intellectuels qui connaissent les réalités africaines, qui ont été en contact avec les autres. D'où, encore, il faut qu'ils soient capables de dialoguer. Et quand on prend les intellectuels aujourd'hui, la plupart ne connaissent plus le village. Ils ne connaissent pas les réalités. Et là où se trouvent les grands problèmes, ce n'est pas le village. Les crimes, c'est dans les villes. Les réalités, ce qui détruit même fond le flore, c'est ici. Et c'est pourquoi je vous ai envoyé ce Camerounais qui dit, mais il faut pratiquer maintenant l'exode urbain comme une solution. Pourquoi ne pas prendre des thèmes comme ça et y réfléchir, dire, mais comment pratiquement on peut essayer? C'est ça le laboratoire. On a une pensée, on prend un village, ou bien on prend une décision, on veut essayer. Et c'est à la lumière de la réussite qu'on peut développer, harmoniser, approfondir, densifier et diffuser. Nous n'arrivons pas à dire, on va essayer des choses concrètes par rapport à une pensée émise par un Africain. Parce que c'est ça l'innovation. On devait innover nos systèmes donc, de développement et nous copier et prendre. Tant qu'on copie, on ne pourra pas. Il y a une question subséquente à ce développement. Le professeur a parlé de génération sacrifiée. On a parlé de d'étiopitude du grand boom chinois parce que ça a fait des pléthore de victimes également, il ne faut pas le cacher. Est-ce que la vraie question, ce n'est pas la peur du prix à payer? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ceux qui cassent dans les rues, ceux qui envoient casser dans les rues sont plus audacieux que ça. Ceux qui cassent dans les rues, je ne parle pas du Bénin, Bénin je parle du contexte africain. Les gens qui bravent les âmes, qui vont casser dans les rues, ceux qui sont derrière, qui les haranguent, pour qu'ils cassent dans les rues, ils sont plus audacieux que ça. Mais la question que moi je me pose, c'est de savoir, mais quand est-ce que nous allons nous dire, écoutez, quel est notre modèle de bien-être? Quel modèle de bien-être voulons-nous? Je ne parle pas de développement. C'est-à-dire le mieux-être là, quel est le modèle de mieux-être que nous voulons? On définit, on s'assoit. État, société civile, acteur lambda de la population, on s'assoit. Un peu comme on a fait la conférence nationale. Quel est le modèle de bien-être que nous voulons? On définit le modèle global. Et comme M. Ataï Gedegbe l'a dit, on sectorialise maintenant. Pour dire dans tel secteur, comment est-ce que nous pensons dans tel nombre d'années, dans tel nombre d'années. D'accord? Quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour y arriver? Le système de financement, comment est-ce que nous allons financer ce modèle-là sans forcément tendre la main aux autres? D'accord? On bâtit ce modèle. On sent que tout le monde se reconnaît dans ce modèle. Et puis on commence progressivement à le mettre en œuvre. D'accord? Mais depuis quand est-ce qu'on s'est posé cette question? On ne s'est fondamentalement jamais posé cette question. On est beaucoup plus dans la politique de haut tout toi pour que je m'y mette. Point bas. Je suis désolé de dire les choses de façon assez brute, mais en Afrique, puisque nous parlons de bonne gouvernance, nous parlons donc de la chose publique, et donc des gouvernants, et nous parlons du développement. Et quand nous parlons du développement, ça touche ce que le professeur Aroga a appelé les 80%. D'accord? Et donc les 20% qui décident de la vie des 80%. Mais les 20% sont dans la politique de haut tout toi pour que je m'y mette ce que nous appelons grossièrement alternance. Le prix qu'ils payent, ils le savent pour avoir cette alternance-là. Mais comment cette alternance-là impacte la vie réelle des 80 autres? Est-ce qu'on ne s'est jamais fondamentalement posé la question? Parce que en fait, c'est ça. Quand nous disons nous gouvernons bien, nous gouvernons de façon bonne, et que en amont on dit ça et en avant on ne se demande pas, mais notre bonne gouvernance-là, quel est le retour que ça a sur la vie? Est-ce que ça a amené le paysan à quitter 80 sacs de riz à l'hectare à 120 sacs de riz? Est-ce qu'il a quitté 16 semaines de soudure
à 8 semaines de soudure pendant la période où nous avons décidé que nous avons fait la bonne gouvernance. Nous avons fait une étude, par exemple, à Kobli, où on a questionné, Kobli étant la zone rouge en matière d'insécurité alimentaire dans l'Atakora, on a questionné les projets qui sont intervenus de 1970 jusqu'à 2008, pour voir un peu comment est-ce qu'ils ont impacté, contribué à réduire cette insécurité alimentaire. Et quand on a commencé, on s'est documenté, on a constaté que dans les années 80, Kobli était à 16 semaines de soudure alimentaire. Vous savez à combien de semaines on s'est retrouvé en 2008? On s'est retrouvé à plus ou moins 10 à 12 semaines de soudure alimentaire. Donc on a investi des milliards pendant 30 ans pour ne réduire que 5 à 6 semaines de soudure alimentaire. Ça pose question. Ça pose question de ce que nous appelons projet. Puisqu'on est dans le développement projectal, si on peut le dire. Tout ce que nous faisons en matière de développement, on le fait à travers les projets. Mais aujourd'hui, il faut commencer par questionner ce qu'on appelle projet. Pour savoir si ces projets-là produisent réellement les résultats, les effets qu'on attend. Et après le départ des porteurs du projet, prendre sur soi la responsabilité et l'engagement d'aller voir des années après si ces effets-là perdurent, ce que le monsieur Ataï Gadegbe a appelé tout à l'heure la soutenabilité. Est-ce que ces effets-là perdurent? Moi, j'ai dit à un moment donné, avant de commencer un projet, il faut regrouper le groupe cible et questionner les pouvoirs d'agir. Ce que certains auteurs appellent les pouvoirs d'agir. Qu'est-ce que les gens ont comme pouvoir d'agir avant que je ne commence mon intervention? Estime de soi, confiance en soi, pouvoir de travailler avec les autres, pouvoir de dominer, pouvoir, capacité de faire. Questionner ces différents pouvoirs-là et se dire, après mon intervention, quel pouvoir est-ce que j'ai pu faire avancer? Qui puisse permettre aux gens sans moi de pouvoir faire ce que je leur ai appris à faire. Monsieur Ataï Gadegbe a dit quelque chose tout à l'heure. Ne faites rien pour nous sans nous. C'est ça le slogan en matière de participation. Depuis les années 70, on parle de participation. D'accord? Mais aujourd'hui, moi, je résume la participation en quoi? Ne faites rien pour moi sans moi. C'est ça. Tous ceux qui veulent définir la participation, c'est ça. D'accord? Et donc, on est dans ce système-là aujourd'hui que les gens, ceux qui crient même, participation, ceux qui crient bonne gouvernance ne savent même pas ce à quoi ça résout fondamentalement. Et tant qu'on ne va pas se poser les bonnes questions, tant qu'on ne va pas se donner les bons temps pour pouvoir repenser tout ce système-là, on ne va pas pouvoir... Ce n'est pas une question de peur, non. En fait, on ne veut pas, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Non, moi je dis on ne veut pas. Parce que pas en l'état actuel des choses. Non, quand je dis on ne veut pas, c'est parce que le système qui produit les 20%, là, quel est le système? Et moi, je suis parti jusqu'à la pédagogie. Oui, la pédagogie héritée, elle est compétitive dominante. Elle ne met pas au centre l'apprenant. Créant la césure. Oui, mais on a programmé le contenu. Viens t'asseoir comme un tonneau vide, on te remplit. Ça, si ce système n'a pas changé, on n'a pas. Nous, on a fait une expérience depuis 2006. On a créé un centre, on veut expérimenter. Et on a dit, on va changer cette pédagogie. Même les Canadiens ont changé, les grands pays. Aujourd'hui, personne n'est plus à la pédagogie magistrale. On a la pédagogie, le constructivisme. Mais quelle est la version africaine? Et pour faire ça, nous, on est parti interroger Amadou Ampateba. L'enfant peut tout le système. Pour dire, mais quelqu'un qui sort de là, il est capable de faire quoi? Est-ce qu'il peut changer la situation dans laquelle il faut l'équiper, qu'il soit compétent pour changer la situation? S'il n'a pas ça, il ne peut pas. Vous le formez, il a une grossette. On a plus de 10 000 experts comptables là-bas, noirs. Mais les comptes les plus sombres sont où? Mais les gens sont baradés de diplômes. On est docteur, on est professeur. Mais on est capable de faire quoi? Sinon, c'est que de parler comme on est en train de faire. On ne rend pas les gens compétents. Donc, il faut rendre les gens compétents. Et tant qu'on ne fait pas ce système, vous allez produire... C'est une reproduction. On va faire les débats. On doit changer pour rendre les gens compétents. Comment rend-on les gens compétents? Ah non, il faut... Je ne vais pas dire qu'il faut couper les têtes et les vider. Mais parce qu'ils seront productifs. C'est le développement clé en tête. Je repense à Kizerbo. Si on ne se convainc pas de ça...
et rien n'est possible. Et l'homme doit être au cœur de nos préoccupations. L'homme, mais l'autre aussi. Parce que si je dis l'homme et que je ne pense qu'à moi, on n'est pas sorti d'affaire. Si je ne pense qu'à ma promotion ou à être bien coté chez les, ceux qui ont pensé pour nous, bon, je pourrais m'en tirer, mais bon, ce serait à quoi? Or, c'est ce modèle qui a prédominé depuis. Et le retourner, le renverser, il faut beaucoup d'audace. Le politique, et a-t-il porte-t-il vraiment ça comme projet? Je n'en suis pas toujours convaincu. Et quand il a des velléités de le faire, il est rapidement combattu de l'intérieur par les aliénés, les, je vais pas dire les apatrides, enfin c'est de gros mots, mais bon, c'est quand même une réalité que nous nous tirons par le bas et non par le haut, que ne nous recentrons pas pour nous poser quelques questions fondamentales et pour nous demander si nous pouvons continuer à entretenir cette mare de misère autour de nous. Et comment fait-on pour réduire la trappe de pauvreté quels sont nos objectifs de réduction réelle de la trappe de pauvreté? C'est pas ce qu'on mesure là où on dit ça s'est accru de 10%, de 34%. Il y a des polémiques qui n'en finissent pas, mais qui n'adressent pas la réalité des gens qui n'ont pas 3 repas par jour. Moi, je vois des enfants. On parle de cantine scolaire et autres. On parle de gratuité de l'école, de cantine scolaire, mais malgré tout, il y a encore des milliers, des centaines de milliers d'enfants qui ont le ventre creux devant le tableau noir. Ils ne peuvent rien assimiler. Et donc, tous ces efforts sont vains et ça confine à du gaspillage. Donc, il faut repenser l'efficience. Effort vain ou progressif? Non, le bien-être. Le bien-être doit être un questionnement de tous les instants, une exigence, mais qui nous amène à nous remettre en cause, à évaluer ce que nous faisons pour corriger au fur et à mesure. Nous n'aurons pas de réponse magique, mais je crois que très modestement, si on a l'ambition de toucher à la satisfaction des besoins de base et se nourrir correctement, s'alimenter et s'éduquer dans le bon sens et dans cet tonneau qu'on remplit à n'en plus finir, oui, on pourrait s'en sortir. L'école a produit quoi aujourd'hui? Des monstres, du chômage à n'en plus finir et finalement le dégoût de la science. Et ça, c'est dangereux pour nos sociétés ça se retourne contre nous comme ça. Le temps est parti déjà et puis on vient de me signaler qu'on a fait une heure. Mais on ne serait sorti de ce débat sans que je ne pose cette question. On parlait de la forme de toutes les pistes que vous avez évoquées tout à l'heure. On appelle aussi obligatoirement à la forme de l'État, à la forme de gouvernance. Et pour rapprocher encore une fois de l'exemple asiatique, vous aurez remarqué que tous ces pays qu'on aime ou qu'on n'aime pas ont eu recours à des moments donnés de leur histoire, à des régimes forts, disons, pour le dire très clairement, des régimes autoritaires. Quand on parle du Japon, quand bien même toute une génération a voulu se sacrifier, mais c'est sous la guidance de l'empereur. Et la parole de l'empereur faisait qu'on pouvait aller se sacrifier jusqu'à la mort. La Chine, un modèle certainement de... Il y a des modèles à la base qui ont fait que voilà, le Parti populaire on a les dragons à côté, Singapour, qui sont à notre mesure. Singapour, ils sont plus forts que nous. Oui, c'est un peu plus récent. Donc, est-ce que ça va avec, parce que vous appelez tout à l'heure, vous avez parlé de conférences. C'est la question redoutable. Est-ce que la forme de l'État, est-ce que ça ne va pas avec, parce qu'il faut quand même, à un moment donné, dire stop et implémenter quelque chose. Est-ce que ça ne demande pas une forme... on va dire d'autoritarisme ou est-ce qu'on peut le faire dans notre système de gouvernement, dans notre système de gestion? Je suis très mal placé pour dire si c'est l'autoritarisme qui convient ou pas. Mais ce que je sais, c'est que nous avons la capacité, comme nous l'avions montré à des moments donnés, de nous remettre en question. Dans ce pays, je prends le cas du Bénin, on a la possibilité de nous remettre en question et de faire bien les choses. D'accord. Ce que nous appelons bonne gouvernance, quand nous le mettons à côté du développement que nous avons produit depuis les années 80, on se rend compte qu'il y a un grand décalage. Et c'est à nous de trouver le juste milieu, de trouver les mécanismes pour pouvoir vraiment faire en sorte de trouver un modèle de bonne gouvernance
qui nous conduisent réellement vers le mieux-être. Je n'aime pas trop utiliser le mot développement, oui, mais oui, qui nous conduisent véritablement vers le mieux-être. Oui. La forme de l'État qui convient, c'est à nous d'en décider. Parce que quand on parle de gouvernance, on parle d'acteurs, on parle de normes, on parle de comtesse. Est-ce que les normes que nous nous sommes engagés à produire sont en adéquation avec notre comtesse? Est-ce que ça nous permet d'agir aisément pour produire des résultats conséquents? Ça, c'est à nous d'en décider. C'est pas, quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui au Bénin, par exemple le comtesse béninois, écoutez, aujourd'hui on va faire un système autoritaire, vous vous imaginez ce que ça va produire. Et donc, on ne peut que retourner encore à la table pour choisir les modèles qui sont les meilleurs pour nous et les mécanismes qui puissent nous permettre véritablement d'aller au mieux-être. Bon, je pense que pour moi, vous avez constaté que je dis que nous sommes programmés, même en démocratie, là, on est programmé. Oui, c'est pourquoi j'ai posé la question. Oui, oui, on est programmé en ce sens que c'est un système élaboré ailleurs, vous voyez. Et quand nous prenons la démocratie, on parle des partis. Moi, je ne suis pas politologue, mais j'ai compris qu'un parti doit avoir un projet de société. Et le projet de société doit être connu. Et c'est quand il y a le projet de société connu, c'est sur ça qu'on va mesurer. Et c'est ça que les gens vont comprendre d'abord. Parce qu'ils ne comprennent pas ton projet de société, comment ils peuvent te suivre? Et quand tu viens, donc il y a le programme du gouvernement qui tient compte du projet de société. On n'a jamais habitué le peuple à comprendre quel type de projet de société nous avons. Donc vous voyez, quand les gens ne comprennent pas pourquoi vous voulez faire ceci, ils ne peuvent pas vous suivre. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc la démocratie ne nous a pas préparé à dire, mais si quelqu'un vient, quel type de société nous propose? On n'a pas appris ça. Et si jamais les gens ne connaissent pas ça, vous amenez quelque chose, ils ne peuvent pas aussi, ils ne peuvent pas accepter. Donc c'est pour ça que je dis, on est mal parti, quelque part, démocratiquement, même là. Comment on réinitialise tout ça? Je suis sans quelque chose. C'est une vaste question. Oui, réinitialiser. Moi, je pense que, qu'ils aient beau à dire, on se développe. Ça veut dire qu'il faut que. On commence pas à voir, normalement, c'est pas les réunions de... Il faut qu'on pense le savoir, là où le savoir doit commencer, c'est-à-dire l'école, l'université. Pourquoi nous sommes tenus dans le système d'aller à l'université? Alors, est-ce qu'on ne peut pas penser à ce qu'on appelle école de métier pour le savoir? Deuxièmement, c'est de plus en plus. Maintenant, on doit systématiser, comprendre et montrer le bienfait. Parce que si on montre le bienfait, chacun veut que son enfant aille à l'université, il soit docteur. On pense que quand il est docteur, c'est bon. Parce que l'étude, c'est monétaire. Ça sonne bien déjà. Oui, bien sûr. Il n'y a pas le contraire. Deuxième chose, c'est un facteur, on n'avons pas abordé ici. L'éducation, c'est fondamental. L'éducation de base à la maison. Je pense qu'il y a une faille. Par rapport à ça, nous qui avons été à l'école des Blancs, quel modèle? On a fait fight. Il va là au service, l'enfant dort. Quand il revient, l'enfant dort. Il ne raconte pas son papa. Il ne raconte pas sa maman. Quel type d'homme demain il serait? Donc, là, c'est des choses à penser. Donc, je ne peux pas dire qu'on va la solution. Oui. Mais si vous permettez, par rapport à ça, le modèle ghanéen, c'est un modèle quand même, sous Rolis. Monsieur Ataï Gedegbe en a parlé. Il a imprimé quand même un certain rythme au Ghana. Il a imprimé d'une certaine manière. Oui, c'est pas à copier forcément. On vous dira aussi qu'à la fin, il a adopté tout ce qu'il y a comme rustine. Je dis que c'est pas à copier forcément, mais c'est quand même un modèle à côté. Pour sortir de ce débat, bon, on n'en sortirait pas. Momentanément, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ces outils-là, on se doit juste de les questionner. C'est pas une affaire de rejet, mais nous pouvons les subvertir à notre profit. Et je pense que potentiellement, ils peuvent nous aider à nous sortir d'affaires d'une certaine manière. Et rien que par les mécanismes que cela suppose, et s'ils sont intériorisés, s'ils sont diffusés dans la société, ça changerait la donne. Parce qu'actuellement, c'est une minorité qui se la joue. Et donc, on n'y est même pas.
nous nommons, nous avons le pouvoir de nomination. Donc les mots n'ont que les sens que nous leur donnons. Mais on n'y est pas encore. On n'est pas encore en démocratie. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous comprenons de la démocratie? C'est pas que le bavardage, c'est pas que la liberté que nous revendiquons. Ça suppose la responsabilité également. Nous devons pouvoir être responsables de nos actes. Ça suppose la séparation des pouvoirs que nous occultons souvent et pour aller verser dans un unanimisme qui nous est fatal, qui nous est... qui nous perd. Quand on parle d'indépendance de la justice, où est-ce qu'elle est? Donc ça, nous pouvons continuer à évaluer, à poser la question, à exiger qu'on ne travestisse pas les normes. Et sinon, on ne parle plus de la même chose et on se raconte des histoires. Et donc, avoir cette exigence-là sur le peu dont nous avons convenu serait déjà un début de rigueur, de responsabilité par rapport à notre avenir, par rapport à notre devenir. Donnons-nous l'éducation dont nous avons besoin. Ne nous privons pas d'éduquer même nos dirigeants, parce qu'en réalité, c'est un processus continu de mise à niveau, de mise à jour, pardon, des valeurs qui permettent à une société de tenir. Donc si sur ça, on n'est pas d'accord, sur ça, on refuse de faire le débat, alors nous sommes perdus. Merci Joël Ataï Gadegbe. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance. Merci de nous avoir éclairé de vos lumières ce soir. Docteur Evek Benaou, vous êtes socio-anthropologue, spécialiste des questions de population et de développement. Merci pour votre contribution. Professeur Augustin Aouga, vous êtes anthropologue et théologien, sociologue par ailleurs. Merci de nous avoir aidé à défricher quelque peu ce thème. Donc, mesdames et messieurs, nous allons devoir arrêter momentanément sur ces mots, conclure ce débat sur la bonne gouvernance et le développement, un lien de cause à effet. Nous avons essayé, entre autres, de défricher quelques pistes de réflexion. Nous allons y revenir sûrement parce que ce débat pose beaucoup d'autres questions aussi importantes les unes que les autres. Merci de nous avoir suivis et à lundi prochain pour un autre numéro du débat technique.